Tout a commencé durant l'année 2018. Les services secrets de la coalition, la Global Security, apprennent l'existence du PVBIR 22, un satellite russe pouvant s'infiltrer dans n'importe quel système ou réseau informatique. L'opération secrète Termite Castle est mise en œuvre. Les troupes des forces spéciales sont envoyées sur zone. Leur objectif, s'infiltrer discrètement dans l'usine de montage pour saboter le satellite et ainsi éviter un conflit ouvert entre les deux puissances. Mais l'opération d'infiltration tourne à l'assaut violent et les forces spéciales sont dans l'obligation de s'exfiltrer en emportant le satellite, au prix de très nombreuses pertes. Le satellite, lui, fut rapatrié dans la ville de Yellowknife au Canada pour y être étudié et piraté, mais sans aucun succès. Plusieurs mois plus tard, alors que les services d'espionnage de la coalition s'attendaient à une attaque d'envergure russe, une ogive IEM a explosé au-dessus de Yellowknife. Les Russes ont alors profité du chaos engendré par l'explosion pour pénétrer sur le territoire en passant par l'Alaska. Après plusieurs mois de combats intenses, la coalition était parvenue à freiner l'avancée des troupes russes et à les cantonner à des positions purement défensives. Profitant de ce faible avantage, ils étaient désormais prêts à frapper. Car tous les moyens étaient bons pour remporter la victoire. C'est ainsi qu'en septembre 2019, deux missiles nucléaires décollent d'un porte-avions situé dans l'Atlantique Nord. L'un ira s'écraser sur Moscou, l'autre sur la ville de Khabarovsk. L'explosion sera dévastatrice et la Russie ne s'en relèvera pas. C'est ce triste jour qui porte le nom de Cataclysme Rouge. Le climat politique mondial fut sévèrement chamboulé suite au cataclysme et plongea rapidement le monde dans la guerre. Mais après quelques années de bataille, des tensions commencèrent également à se faire sentir sur le sol américain. Des émeutes éclatèrent et des soulèvements de population étaient matés de plus en plus violemment par la coalition, créant ainsi un terreau fertile à toute insurrection. Et c'est en mai 2024 qu'un jeune homme prénommé Willie Edward fut assassiné par un agent de police dans un centre commercial. Suite à la médiatisation de sa mort, le pays s'est embrasé et a basculé dans un climat de guerre civile. Il suffit d'un homme de plus pour renverser l'histoire. De ces tensions naquit un nouveau groupe, les Animals Legion, créé pour mener les combats face à la coalition. Le groupe prit rapidement de l'ampleur et bon nombre de citoyens se ralliaient sous sa bannière. Nul ne pourrait définir ce qu'il adviendra du monde, mais tous étaient présents pour le défendre.
Washington. Situation is out of control and cops cannot stop the protesters. We have to begin. I'm ready soon. Look, I'm in their network. I just have to start streaming. After some fire starts, many injured are reported and no one knows what to do with that. We are the Animals Legion. This is a call for uprising. If you believe in our superiority, join our ranks. Join us on Sunday, May 14th for the start of the first short operation. Death to the Coalition. Death to Assassin of Freedom. Join the Legion and take control of your destiny. Victory for our country. Victory for humankind and victory for the Legion. We're waiting for all of you. We are the Animals Legion. Skin of anybody, feel a body turn into a ghost. Stopping away with a bat full of balls. Left in the dirt, I sever the soul. Loving it all. See, I've been still. Take away, open the bow. Waiting for rain at the end of the coast now. Calling for a thing, I need a minute. Take a hollow body, and I'm leaving with it. Now they pocket watching for a hollow tip. I hit a skull and stop it from another trip.